Vraiment, moi, personnellement, je ne suis pas un militant de l'UFDG, mais vraiment, je pense rester toujours absent dans le processus, vraiment, ça n'arrange pas. Moi, je le soutiens, à condition s'il sait vraiment, s'il aura gagné les élections, il pourra maintenant chercher à récupérer son pouvoir, pas comme en 2010. Mais s'il sait vraiment, il va laisser avec les gens là, continuer sans récupérer son pouvoir, vraiment, c'est pas la solution. J'avais dit à Mingéa, à la femme, parce que les femmes sont des femmes. Maintenant, quand ils sont tout le temps, ils sont des femmes. Et quand ils sont tous les temps, donc, les femmes sont des femmes, les femmes sont des femmes. Nous avons fait la marque. Alors, en étant afin de faire faillir à Wumbe, nous rarissons ça. Boribé. Maintenant, à la Sana à Souto, on a fait faillir au bas de Boribé, nous faisons de manière lendaire. On a fait tout qui n'a rien. Parce que Marine Riba Faraneki, donc, on m'a fait l'attendre, c'est que Marie Girinara, maintenant, à Moufantam Boritambe, je me suis Sabine Riba Faraneki, à Moufam Boritambe. Est-ce que vous comprenez? Mais je suis dit que je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Selou, c'est un Guinéen comme moi. Moi, le problème, c'est quoi? Je veux simplement réellement un vrai Guinéen qui peut développer la Guinée. C'est mon choix. Le choix pour moi, c'est un Guinéen vraiment, qui soit un Guinéen réel pour le pays. Selou Dalé aussi est un citoyen. Il est libre de se présenter. Bon, je ne vois pas vraiment autre impact qui pouvait au moins empêcher sa candidature. En tant que Guinéen, s'il décide de se présenter, il s'est présenté comme leader politique. C'est son point de vue, y compris son parti, c'est tout. Ce qu'il faut savoir, il faut que nous essayions d'allier ce que nous appelons ici la politique ethnique dans notre pays. Il faut que nous ayons ce qu'on appelle la politique publique. Nous sommes d'accord, si alors on se focalise sur ça, je ne vois pas que si la Guinée pourrait partir de l'avant avec ses idées. La conviction de ceci, peut-être, ou bien l'avis de ces jeunes qui sont décédés sur l'axe, si vous leur demandez aujourd'hui tout de suite, ils auraient dit aimer que Selou Dalé s'est présenté même s'il vivait, n'est-ce pas? Alors donc, que ceci meure et que Selou Dalé reste sans se présenter, je vois quelque sorte encore d'une trahison de sa part. Je suis entièrement d'accord avec la candidature de M. Selou Dalé Diallo, parce que c'est lui seul qui pourra sortir la Guinée dans cette lornière. Nous sommes entièrement d'accord avec vous, parce que lui, il est digne. Il respecte vraiment les Guinéens. Il a travaillé pour la Guinée. Il a montré sa capacité pour que la Guinée puisse changer.